Ah, oh, JPP. Tiens, tant qu'on y est, hop, on va utiliser. Bon, c'est quoi ça? Vous remplissez pas les conditions de quête, c'est quoi la condition de quête? D'accord, j'aurai un enfant. C'est lié ou c'est pas lié? C'est pas lié, je le vendrai. Allez, fuck it. Je suis dégoûté. Je suis un peu dégoûté. Cette quête, elle est trop chiante. Parce qu'en fait, les mobs, ils repop et on peut pas faire sortir l'autre de la salle. Et je sais pas pourquoi, j'ai cru que l'autre, là, c'était le boss. Parce qu'il avait à peu près la même tronche. Mais non, c'est pas lui. Écœuré, le MDJ. Et en plus, ma pierre de foyer, elle est à Satra, donc hop, je vais devoir me retaper tout le trajet. Mais ça, c'est pas trop grave encore. Qu'est-ce que j'ai là? Ah, bon, voilà, bah ça. J'ai les ventes qui partent. On va juste déposer rapidement à. Je vais rebaisser le son un peu de la musique, hein, parce que. Elle est un petit peu élevée là. Nous ne renoncerons jamais. Alors, ça c'est lié, donc je peux pas vendre ça par contre. Ah, ça se vend à ce prix-là. Pour une quête? Ouais, allez, bah, je vais le tenter à ce prix-là. On verra bien, j'arrive pas à estimer à combien ça vaut réellement, donc. Toc toc toc, ça on s'en tape, ça on s'en tape, ça. Ouais, voilà, je dirais plutôt dans ces prix-là, ouais. Il est lié? Ah, c'est un bâton. Ok, et ça c'est lié aussi. Et c'est. Allez, alors c'est mieux, mais. Je perds en. Ouais, non, je perds trop en score critique. Ça a aucun intérêt. Ça par contre, hop. Seulement. Attendez, je suis seul sur le marché là, je vais le vendre à. Je vais le vendre plus cher que ça, hein. Voilà. Ok, ça. Bon, bah. Voilà, hein. On va voir ce qui part pas. Votre or est le bienvenu. Donc ça c'est lié. Il y avait autre chose qui était liée, ça. Et ça. Les parchemins, je vends. Ça c'est de la bouffe, je vends. D'accord. Ça et ça.
Je vends. Ah oui, il y a aussi tout ça que je dois vendre. Attendez. Nanana. Ok. L'heure de la vengeance approche. Vu que maintenant je fais du petit givre, hop. Gloire au signe doré. Voilà, tout ce qui est anti-snéant. Ouais, alors non, ça je vais le garder sur moi. J'aurai la main. Et je vais Vous ne vendre. traînez pas. Voilà. C'est Lama à Salamore. On peut en faire 22. On va voir. On va voir jusqu'où ça peut monter. Ah, sympa. Que voulez-vous? L'heure de la vengeance J'en garde approche. qu'une vingtaine sur moi, hein. C'est suffisant. Mais au moins je peux monter assez facilement ma couture avec le petit givre comme ça. Je l'avais fait aussi pour le Tisnéant, mais le Tisnéant il a fallu beaucoup de Tisnéant, hein. Quand vous l'avez vu, j'ai vendu beaucoup de bandages là, mais j'essaye pas de les vendre à la jouer les bandages, hein. Ça sert à rien. Ça se vendra pas. Attendez, je suis un boulet, moi. Je suis niveau 79. Bah c'est bon, je peux aller. Je peux apprendre la couture de Draenor. Enfin de. Pas de Draenor, de. De Cataclysme. Bah mais de toute façon après il va me falloir du Bressoir, hein. Ça, idéalement, faudrait aller au crépuscule, mais on ira au mont Ijal avant. Perdu. C'est à côté. Quoique. C'est de l'autre côté. Qu'est-ce qui... Ah, excusez-moi. Non, ça continue à tourner. Ah non, c'est ce truc-là. Attendez, je vérifie juste. Ouais, on commence à être serré, hein. Ok. Excusez-moi, c'est juste que voilà, je commence à saturer un petit peu mon disque dur avec tous les rushs que j'ai. Mettre les tailleurs, voilà. Ouais, je peux apprendre. Voilà, je peux apprendre Cataclysme. Bon. Il me faut du. Voilà, il me faut du tissoir, hein, mais. C'est déjà ça, et puis évidemment, ouais, donc j'ai pas encore les bandages. Je sais plus où il est, le maître des bandages. Il est où le maître des bandages à
Orgrimmar. Je sais pas où il est. C'est pas grave, on verra à Dalaran. Et justement, le voilà, le... Hop. Comme ça, on l'aura pris en épisode. En dehors du bonus que vous avez dû voir. Bon, écoutez, de toute façon, je vais... Voilà, je vais couper là. Les quêtes là qui consistent à buter des mobs en masse sont... On verra ça. Voilà, je verrai ça hors caméra. Là, on va juste aller à Dalaran. On va aller voir. Non, ça sert à rien d'aller à Dalaran là pour le... Bon, j'en sais rien. On verra pour les bandages en Brest-Soie, de toute façon, en temps voulu. Mais je veux juste qu'on soit niveau 80 avant d'aller au Mont Ijal. Donc on va juste essayer d'acquérir un niveau de plus à un Orfandre et puis c'est tout quoi. À la limite ce que je ferais même le niveau je le passerai en farming. Je vais farmer des mobs pour le tis givre. Et puis on se retrouve quand je suis niveau 80 quoi. C'est aussi une autre solution. J'ai pas vu combien d'XP je lootais quand je butais un mob. Donc faut voir si ça se trouve, ça vaut le coup. Donc on va retourner. On va aller voir les quêtes pour Cime de la Mort. Bon, de toute façon, voilà, cet épisode va se terminer sur le vol. Et puis, on va se retrouver quand... Voilà, à mon avis, je pense qu'on se retrouvera quand je serai niveau 80. Parce que... Je vais essayer de faire les quelques quêtes que vous voyez là, même si là... Et me présenter aux autres PNJ, honnêtement, je pense que même que je vais zapper. Voilà, tuer les 20 guetteurs, ça va se faire hors caméra. Les morts-vivants de la carrière des larmes, je verrai... Parce que 80 ça fait vraiment beaucoup, mais si ça drop du tismage, voilà, je le ferai. Mais tout ça, ce sera fait hors caméra. Et puis bon, ben, je pense que cette quête-là, là, c'est même pas la peine, quoi. Je vais l'abandonner, hein. J'arrive pas, en fait, j'arrive à le buter, mais pas à récupérer le loot. Je me fais descendre avant de récupérer le loot. Donc ça sert à rien. Hop, allez. Pas me prendre la tête 10 000 ans non plus. Est-ce qu'on vient pour la couture en orfandre? Ouais, je suis à 46 sur 75.
25, 29. Et il me faut combien pour une... Il m'en faut deux. En gros, si j'avais 60 étoffes de tige givre, j'aurais ma couture d'honneur fendre et puis c'est tout quoi. On n'a pas regardé rapidement. Alors voilà, on va prendre en givre standard. Ouais, donc le turban déjà il est pas intéressant. En tige brune il est comment? Si tu vivres aussi, non, pas vraiment non plus. Pas vraiment intéressant. Les épaulières anti-givre. Moins 7 d'endurance. Hein. Pas intéressant. Alors ça, on n'en parle même pas. Ah, là, c'est... Ouais, non, mais moins 25 d'endurance, oublie. Ok, donc de toute façon, voilà, les... Ah, les brassards. Les brassards sont plus intéressants. Les brassards en tisse brune, là, ils sont intéressants. Il me faut... Bon, ça demande beaucoup de tisse givre, mais les brassards sont intéressants. Hop. Ah, moins 1 d'endurance, mais plus 11 de hâte et 5 de... La ceinture aussi est intéressante. Et jambière sera intéressante aussi, mais elle me fait perdre beaucoup de scores critiques. C'est pas top. Ouais, les bottes, on n'en parle même pas. La cape... Je perds en intelligence, mais plus d'endurance, plus de score critique. Ouais, ok, celle-là, elle serait top aussi. Ouais, ok, il me faut juste des perles des mers, là, c'est tout. Bon, les chemises, elles apportent rien. Oui, je peux faire un tapis volant aussi. C'est une monture. Mais bon, voilà, on pourrait faire un petit peu de couture cataclysmique. Pas cataclysmique, de Norfandre. Ok. Résumé des épisodes précédents. Bon voilà, là il y a dans vos races de la mer, c'est des, je crois que c'est des poiscailles à buter ça. C'est quoi ça? C'est ça. Par contre, ça va vite. Que le truc il est passé comme une flèche quoi. Allez, hop. Voilà, il me faut ça. Ah ouais, c'était un requin marteau. Oh. Ce n'est pas encore rechargé. Je ne peux pas encore utiliser cet objet. Eh ben voilà.
Ça, c'est une quête qui casse pas les dents. Des quêtes comme ça, j'en veux plus souvent. Ok. Faites pas attention à ce bruit, c'est parce que j'ai une tâche qu'à terminer. Alors attendez. Hop. Juste avant de la rendre, je fais autre chose. Attendez, juste je vais rafraîchir ça. Ouais, ok. De toute façon, je pense qu'il va falloir qu'on se quitte. Parce que... Ok, hop. Donc ça, c'est bon. Ok, on va juste rendre ça. J'ai besoin d'un griffon. Nous aurons notre vengeance. Ok, alors là, ça... on va juste faire celle-là, je... C'est quoi ? Faut que je ramène un griffon. Non, bah écoutez, j'arrive malheureusement au bout de mon disque dur, donc je vais simplement m'arrêter ici, compiler tout ce qui peut l'être, faire de l'espace, et puis voilà. Donc sur ce, je vous dis à bientôt. Ah, tout de suite, hein, on est certainement au milieu d'un épisode. Oh, l'autre qui me demande un duel. Qu'est-ce qu'il me fait là? Eh oui, ok, ça fait 30 secondes que ça enregistre. Excusez-moi, ça fait 30 secondes là que vous avez un blanc. Je vais essayer de le couper avant de... Voilà, avant d'encoder l'épisode. Donc, nous nous retrouvons, je suis niveau 80, nous sommes passés en 8.2 et on a que des problèmes. Voilà, donc j'annonce... j'ai essayé de monter mon personnage voleur... en parallèle, et malheureusement, maintenant, au bois des champs éternels. Alors, est-ce que c'est moi qui ai un problème? Est-ce que, voilà, je galère à... D'ailleurs, la plupart des PNJ, en fait, n'apparaissent plus, donc je ne peux pas rendre de quête, je ne peux pas en prendre au champ des bois éternels avec ma voleuse niveau 10. Oui, en fait, j'ai fait une elfette, hein, enfin, voilà. Et puis, comment... Et voilà, donc on a plein de problèmes, pareil au lancement du jeu, il y a des sprites qui s'affichent mal. En fait, le truc c'est qu'on est tous en train de retélécharger le jeu. J'ai dû réinstaller l'intégralité du jeu, hein, pour ma part, hein, la mise à jour a foiré pour la migration, donc j'ai dû réinstaller entièrement le jeu. Bon, le compte, voilà, hein, il existait, donc j'ai pas eu à remonter niveau 80, ça c'est pas un problème. Mais c'est la galère. C'est vraiment la galère pour jouer. Donc ce qui s'est passé, j'ai juste fait la quête où il fallait tuer 20 mobs. Et puis j'ai tué d'autres mobs dans la couronne pour farmer du tis givre. Donc ça c'était avant la mise à jour. Donc tac, si je vais dans ma couture. Voilà, Norfandre, hein, on est à 75 sur 75. Donc voilà, hein, la Norfandre d'Outre-Terre aussi c'est fini. Là, voilà. Donc on a toutes les coutures terminées, excepté donc Cataclysme, qu'on va commencer dès que possible. Et on va rendre cette quête là. L'honneur c'est pour les faits. Ouais, ok, donc 36 000, voilà, on prend 36 000. Et on va se mettre en route pour le mont Ijal. Donc je vais prendre le fly. Tant pis, ça va me coûter une pièce d'or, mais je vais prendre le fly. Qui est là. Oui, alors, tant qu'on y est, attendez, j'ai une boîte aux lettres juste là. Ok, j'ai des ventes, là, je vais...
Ah, il a disparu le truc. J'avais un truc pour avoir atteint le niveau 80, mais il a disparu de ma boîte aux lettres. Merde, j'avais un truc, fallait qu'on lise ensemble, mais par contre c'était écrit en anglais, donc bon bah tant pis, il y avait un cadeau et je l'ai pas ouvert, résultat. Ça c'est con. Bon c'est pas grave. Vous voyez que j'ai descendu pas mal en pognon, oui, donc j'ai changé mon stuff. S'il veut bien charger. Voilà, presque, voilà, c'est bon. J'ai acheté le stuff niveau 100 qu'on trouve, enfin c'est le stuff de saison 3 qu'on trouve auprès des PNJ d'Alaran. Donc voilà, donc j'ai tout l'équipement, je passe rapidement dessus si vous voulez mettre en pause pour regarder. Mais pour faire simple, j'ai pris toujours ce qui a augmenté le score de critique et la hâte. Comme ça, voilà, bon, il n'y a que la cape qui est en polyvalence parce qu'il n'y a pas de cape... avec hâte. Donc voilà, il y a ça, il y a les épauliers. Non, ça ce sont les poignets. Voilà. Ça c'est les mains, les gants, voilà. La ceinture, les jambières, les bottes, la bague, une des bagues, la seconde bague. Ça c'est un bijou qui rajoute de l'endurance et ça c'est un voilà, c'est un autre bijou mais qui rajoute du score critique. J'ai pas regardé. Ouais, augmente les scores et. Absorbe. Ouais, d'accord, ok. Bon, il y a 2-3 effets activables dessus. On les activera jamais, mais c'est pas grave. Ce n'est pas très grave. Bon, le fly, je disais. Ici. Venez-en, au fait. Ouais. Ah oui, il y a le truc du gué noir. Ouah, c'est rien, ça, c'est juste. Ouais, c'est 1200 d'XP, hop, on s'en fout. Vous voyez, j'ai énormément de choses qui... Excusez-moi, hein. On va recharger l'interface parce que ça galère vraiment. Alors, j'ai aussi uploadé les 10 premiers épisodes sur YouTube au moment où je vous parle. Donc, c'est juste un upload. Je sais que voilà, j'ai largement le temps de tourner. Hein, voilà, la série, elle est programmée pour sortir tous les samedis. Et je pense que ben, elle va couvrir quasiment l'intégralité de l'année 2020. Hein, on est donc voilà. Voilà, parce que oui, donc moi, je tourne cette série en. Ben voilà, ça va peut-être me prendre deux mois de tournage sans l'encodage et l'upload. J'annonce aussi qu'à partir de l'épisode 35, je vais changer la musique Jojo. Je vais essayer de la modifier parce qu'elle est les 35 premiers épisodes là. Excepté le 7ème épisode, je sais pas pourquoi le 7ème épisode c'est pas fait flag, mais la Warner a revendiqué les vidéos parce que voilà, apparemment ils ont les droits sur la musique même de Jojo's Bizarre Adventure. Voilà, alors que cette musique est devenue un mème, donc voilà. Ok. Donc, je disais Dalaran. Donc, oui, il y a également. Je vous montre rapidement. Il y a aussi deux vaisseaux. Ça, je savais pas que ça existait maintenant. Mais il y a deux vaisseaux. Il y en a un de la Horde, le marteau d'Orgrim. Et le Briciel, qui est un vaisseau de l'Alliance. Qui tourne. Dans la couronne, voilà, dans cette partie-là de la couronne de glace. Et on peut se poser dessus, on peut regarder, il n'y a pas de quête, il n'y a rien, c'est juste deux vaisseaux qui se baladent autour de. Voilà, de sur la porte de la désolation, enfin voilà, dans cette zone-là, quoi. Et ils se déplacent très très lentement, mais ils se déplacent, quoi.
vous voyez, j'ai la carte qui a du mal à charger. J'ai beaucoup de choses qu'ont vraiment du mal à charger. J'espère qu'au moment où ça ira, et surtout j'espère que les PNJ qui donnent les quêtes, on pourra les avoir, parce que je vous dis, moi, le mon elfe voleur, j'arrive pas à la faire monter des niveaux à cause de... parce que simplement les quêtes, j'arrive pas à les rendre ou à les prendre, parce que les PNJ sont complètement absents de la carte. Donc... Ah, et puis oui, second effet qui se coule. Résultat, j'essaye de télécharger le jeu complet, parce que Firestorm propose de télécharger le jeu complet en torrent. Le problème, c'est que, ben, il y a personne qui... Enfin, il n'y a pas de seed pour télécharger. Donc, les trackers sont morts, donc on peut pas télécharger... Voilà, donc on peut pas télécharger la version complète. Super. Joie. Ah. Je vais peut-être fermer ça aussi. Ah, ok. Allez. Donc. Wow. Ok. Ça s'appelle du lag. Pour retourner d'ici à Orgrimmar. Comment je... Il y a un... Il y a un portail, certainement. C'est ça. Il doit y avoir des portails par ici, si je dis pas de bêtises. Non, je suis parti trop loin. Ici. C'est ça. Ici. Voilà, ok. Le portail d'Orgrimmar, il est là. Et donc, on est parti pour le mont Ijal. Au moins jusqu'au niveau 90. Au niveau 90, on partira en Pandarie. Donc là, Firestorm, ils ont 10 niveaux pour remettre tous leurs serveurs à jour. Oh, putain, c'est la galère. Ah oui, maintenant on apparaît ici. Il y a une salle de des portails. Voilà, donc... bon, j'ai tout qui est en train de télécharger, mais... Là, je vous dis, c'est le problème, c'est qu'on est énormément de joueurs à retélécharger l'intégralité du jeu. Donc, donc les serveurs, ils galèrent comme c'est pas possible, quoi. Bon, déjà, je vais les zoomer un petit peu, histoire qu'on ait... Et donc on va prendre le portail pour le mont Ijal, où on pourrait hein, si on voulait monter, on la voit même pas d'ici, mais on pourrait monter, attends, allez, le mont Ijal, ben non, normalement il est juste là, mais on pourrait le monter nous-mêmes, le mont Ijal, mais il y a un portail juste ici, c'est quand même beaucoup plus rapide. Voilà. Hop. Ok, donc on a des PNJ avec des quêtes. Ça, c'est déjà plutôt cool. Il y a... D'accord, il y a une autre joueuse là. Une autre démoniste. Ok, d'accord. Qu'est-ce qu'elle fait là, niveau 111? Elle va certainement farmer.
le donjon. 8 élémentaires, ok. Un plaisir de vous rencontrer. Donner des baies. Tuer 4 sédigueux, ok, d'accord. Bon. On va commencer par la base. Ah oui, j'ai refait également quelques sacs de tisse néant justement pour mon elfe voleur. Bon, ça va. Ils sont largement gérables. Oula. Je suis hors de portée. Oula, il y en a beaucoup qui arrivent là. Mais ça va, 3 je devrais réussir à gérer. Allez, juste une infliction sur celui-là. Attendez, j'ai l'impression que le son par contre il est redevenu un peu fort. Ok. Il me reste combien? 2 à tuer, c'est ça? Ouais. Alors celle-là, elle aura été faite rapidement. Ah, c'est pas vrai, ils sont nombreux là. Parce que je voulais. C'était ce sort-là que je voulais. Ouais, ça sent que le jeu galère ou pas? Je veux dire, j'ai des retards sur les sorts et tout, enfin... C'est un peu violent. Ok. Ensuite, j'ai vu que je devais récolter des trucs comme ça. D'accord, ok. Ouais, je vais me faire aggro, je m'en doutais. Je ne peux pas le prendre. Ouais, génial. J'aime quand les sorts ils lag comme ça. Hein, je vous dis, depuis qu'ils ont fait la migration vers la 8.2, on a beaucoup de problèmes, les joueurs. Je me suis connecté un petit peu sur le canal FR. Tous les joueurs galèrent un petit peu. Ah, mais fous-moi la paix. Donc j'en ai 3. Là-bas, il y en a un quatrième.
Tiens, ça drop de la terre élémentaire, ça. Non, de la terre volatile. Ok. Bon, alors. Tac, donc c'est bon. Ensuite, je suppose qu'il faut donc que j'utilise ça. Utiliser, donner à manger des dragons. Afin de gagner leur confiance. Hein ? Alors, attendez, faut que je trouve des dragons féeriques. C'est le genre de créature que j'ai croisé tout à l'heure. Ça là ? Effectivement. Je vais essayer d'en buter un, on va... Ça a pas l'air scripté, ça. J'ai comme un doute. C'est pas scripté, ça, hein. Non, c'est pas scripté. Des séditeux. Je vais me balader dans la zone, hein. On va bien voir. S'il y a des mobs qui apparaissent. Parce que les dragons féeriques, là, je les vois, mais les autres mobs à buter, je les vois pas. Là-bas, il y a l'air d'y avoir quelque chose. Ok. Allez, salut. Alors, soit les mobs, je les ai juste pas. Ils sont pas chargés, en fait. Soit cette quête est mal scriptée. A tous les coups, à mon avis, quand on nourrit les dragons féeriques, ça doit faire spawner les mobs, et sauf qu'ils sont pas là. Donc, bon, pour le moment, je vais la garder de côté, cette quête, au cas où, hors caméra, je pourrais la faire. Bon, allez. Et donc, on a celle-là. Vol au-dessus du mont Ijal. Bon, ok. Donc c'est là. Ah. Elle est bien celle-là. Elle a un niveau d'objet de moins. Elle est verte et pourtant elle est mieux que la violette que j'ai de niveau 100 quoi. C'est trouver l'erreur. Bonne chance à vous. Allez. Donc, on va continuer à descendre un petit peu. Enfin, on va suivre le chemin. Olé.
Attendez, je vais vérifier parce que ça me semble bizarre qu'il n'y ait pas autant de quêtes que ça. Normalement, il y a plus. Enfin, il me semblait qu'il y avait plus de quêtes que ça au démarrage. Parce qu'on a déjà le truc pour la zone d'après, mais. Ouais, c'est bien ce qu'il me semblait, il reste une quête là. Voilà. Nous jouons tous un rôle dans le plan de la nature. Ok. D'accord, ok. Non, ce sont juste des quêtes où je dois trouver des gens, mais il n'y a pas d'autres quêtes ? Comment puis-je vous aider? Ah oui, il faut être éviré. Ok, d'accord. Donc ça, faut farmer le donjon. Donc ok, ben non, ben on... Non, non, bah en fait, c'était juste d'autres personnes à aller voir, donc on va couper un peu sur le chemin, et puis on y va. Alors, le mont Ijal, je connais surtout deux zones. Une zone qui est un peu plus loin et le fameux donjon, hein, le donjon qui est plus bas. Parce que, alors je sais pas ce qu'il en est maintenant, mais ce donjon, il était complètement pété sous Cataclysme. Et encore sous Draenor, il était extrêmement pété. Parce qu'en fait, on pouvait le farmer. Et en le farmant, on... Enfin, c'était... C'était un massacre quoi, on farmait, on pouvait atteindre facilement les 1000 PO de l'heure en farm, ce qui était absolument énorme. Je veux exploration, cataclysme, Ijal. Voilà, on va suivre également l'exploration du mont Ijal, on va également le suivre un petit peu en fil rouge à gauche. Il y a des petites zones à découvrir. Voilà. Bon, ici ça, ok, d'accord. Là-bas il y a un truc. Ok. On découvre au fur et à mesure. Hein. Donc ok, puis donc ben, on continue et on devrait arriver sur une autre zone. Où il y a des quêtes. On devrait arriver niveau 81 très très vite, ça c'est ça sans souci. Ah ouais, ici. Alors ici il y a des quêtes à faire, mais c'est. Elles sont pas forcément évidentes. Et est-ce que si ça, normalement, c'est...
Ah d'accord, maintenant faut plus l'activer ce truc là. D'accord, ok. Ok, bah non, bah je trouve ça tout dedans. D'accord, maintenant il suffit juste de le traverser. Bah c'est bon à savoir. Sauf que les quêtes en plus elles ont l'air d'être là. Non, je les ai juste passées. Est-ce que ce sont les quêtes qui sont là que je voulais faire? Donc on va juste remonter un petit peu. Ça a l'air d'être en fait là-bas, non? Non, pas du tout. Enfin, il y en a là, mais... On va d'abord faire les quêtes qu'il y a avant. Parce que ces quêtes-là, je les ai manquées. C'est là. C'est ici. Salutations. Alors. Ok. Que le soleil éternel brille sur vous. C'est tout? Ok. Non, en fait, c'était juste parce que voilà, il y a un mec à aller voir. Mais c'est censé voilà débloquer les quêtes pour après en fait. Et donc c'est par là. Eh zut. Oh, fais chier. Allez, hop, ça c'est réglé. Ah oui, 2000 d'XP quand même, les mobs ici. Bon, hop, c'est allez. La victoire. Donc, obtenir 6 fioles d'encens pollué. Diamant de foudre. Récupérer une jarre condensatrice chargée sur une canalisation foudre de crépuscule. Ok, d'accord. Dans la gueule du loup, traverser le portail des flammes au sommet de l'écharpement de foudre, puis parler à Jordan Offrin. Voilà, ok. Donc ça, le portail, on l'a vu. Ok, donc ça, donc ce sont les vandales. Donc je dois. D'accord, je dois dropper six choses dessus. Enfin, si. Mince. J'ai aggro le mauvais. C'est assez bizarre, ils s'infligent des dégâts eux-mêmes pour essayer de m'infliger des dégâts, mais... Ça a pas l'air très efficace leur truc. Putain, par contre ils lootent max d'XP quoi. Ça c'est cool. Bon, j'ai deux fioles, enfin j'ai deux encens pollués. Donc si c'est un drop 100%, c'est plutôt cool. Je suis trop loin. Ouais, frénésie mortelle, je sais pas, c'est un...
Mais ils s'infligent plus de dégâts eux-mêmes qu'à moi, quoi. C'est très chelou comme. J'ai l'impression que c'est un sort qu'ils ont, mais qui est buggé. Parce que c'est pas normal que ça fasse ça, quoi. Attendez, on va voir, mais il m'inflige des dégâts ou pas? Mais il m'inflige que dalle. Enfin, il me font aucun dégât. Ça va être vite réglé, hein, s'ils me font aucun dégât. D'accord, lui par contre, il a pas lancé son sortilège visiblement. Bon, ah non, il en reste un. Oh, puis j'ai pas vu, mais ça... Ah oui, non, c'est parce que lui, il vient de m'en dropper 6 d'un coup, mais... D'accord, ok, donc ça... Donc du Bressois, on en drop déjà ici en bonne quantité. Ok, bon à savoir. Quête suivante, ici. Ventre foudre et habitant de la famille hurlant tué. Ok, d'accord. Ok, en fait apparemment... Ok, alors là je vois pas de... C'est quoi ça? Brutody, ok. Donc ça a l'air d'être plutôt en hauteur. Ouais. Ok. Attends, là ça va, j'ai l'équipement qui tient bien, qui tient le choc. J'ai un très bon équipement là pour la suite en fait. Écoutez, si ça va se passer comme ça, on va aggro massivement.